1939, naissance de Claude François. Hein ? Mais non ! De Tina Turner. Bah non, toujours pas ! De Bernard Kouchner alors. Mais non ! En 39, c'est l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Mais ouais, c'est pas faux. Pologne, 1939. Après un mois de combats acharnés, l'Allemagne nazie parvient à envahir la Pologne. Les nazis, mieux équipés et mieux armés, écrasent les Polonais en un temps record. Une guerre éclair. Un mois seulement. On va être honnête, la résistance était un peu courte. Les Polonais sont obligés de se rendre à l'ennemi, mais quelques-uns d'entre eux parviennent à fuir le pays. C'est le début, mes chers copains des foins, de la Seconde Guerre mondiale. Lui, c'est le général Stanisław Maciek, grand militaire polonais capable de vous faire gagner une guerre, mais capable aussi de vous faire gagner une partie de Scrabble en épelant son nom. Ce polonais vétéran de la Première Guerre mondiale va fuir la Pologne après un combat perdu d'avance. Il va alors rejoindre l'Hexagone avec environ 1000 de ses hommes afin de participer à la bataille de France. En 1940, l'Allemagne passe à l'offensive. Lui et ses hommes défendent le territoire français du côté de la Marne. Avec un effectif réduit, un manque de matériel, de chars et de carburant, Maciek et ses hommes ne peuvent pas faire grand-chose pour lutter contre les nazis. Hein, c'est un petit peu la merdouille en France. Et justement, la France demande l'armistice. Mais cette division polonaise refuse la défaite. Le général Maciek ordonne à ses troupes de rejoindre la France libre pour se diriger ensuite vers la Grande-Bretagne. Soutenu par les Britanniques qui équipent en armes et en véhicules les quelques soldats polonais parvenus jusqu'en Angleterre, la brigade se reforme peu à peu et devient la première division blindée commandée par Maciek. Les Polonais vont s'entraîner intensivement en préparation de l'opération Overlord et de l'ouverture du front à l'ouest de l'Europe. Le 31 juillet 1944, la division polonaise débarque à Arromanche et Courseulles-sur-Mer. Elle se voit confier la mission de contrer la défense allemande dans la région Caen-Falaise. Mais les choses sérieuses commencent. Du 6 au 13 août 1944, les Allemands lancent une offensive afin de couper l'avancée des Américains de Mortain vers Avranches. Mais le bocage normand, qui fut un véritable enfer pour les Alliés quelques semaines plus tôt, se voit être un obstacle tout aussi redoutable pour les nazis. L'attaque est un échec pour les Allemands, la situation est même critique, ils se retrouvent encerclés dans la poche de Falaise-Chamblois. Et c'est là que le général Maciek et la première division blindée polonaise vont montrer tout leur courage et leur talent afin de résister aux contre-attaques allemandes. Le but de la manœuvre, fermer la poche au niveau de la ville de Chamblois. Du 17 au 21 août 1944, des combats titanesques vont éclater dans le ciel normand. L'artillerie alliée va pilonner les positions allemandes. Sur 3 km de large se trouvent tous les soldats nazis en Normandie. On surnommera cet endroit le couloir de la mort. En gros, cette poche est une forme de bouteille, les Allemands piégés à l'intérieur, le bouchon, les Polonais. La résistance farouche des Polonais impressionne les forces alliées qui continuent le combat grâce au parachutage de vivres et de munitions. Le 21 août, les Allemands ont quasiment tous décidé de se rendre. Grâce à la première division blindée polonaise, les Alliés vont pouvoir à présent se diriger vers Paris. La division polonaise pendant la bataille de Normandie, c'est 5113 Allemands capturés, 55 chars détruits, 44 canons, environ 250 véhicules blindés également détruits. Ah bah, ça fait un sacré toto. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Chôle rigolo. Mais pour la division blindée polonaise, la guerre est loin d'être finie. Maintenant, direction la Belgique une fois, en passant par le nord de la France. À chaque ville, village ou hameau, la population accueille les libérateurs en héros. L'accueil y est triomphal. Les soldats embrassent la population, boivent des coups, des petits canons comme disent les Français, et de verre en verre, de ville en ville,
Bon, en gros, ils sont complètement borrachas, hein, la tête à l'envers, complètement bourrée. À tel point que le général Maček devra interdire toute attitude trop amicale de la population. Car bon nombre de ses soldats, visiblement très émus par de nombreux vers de l'amitié, guident les colonnes de véhicules vers de mauvaises directions. La division va libérer plusieurs villes de Belgique, comme Ypres. Avec les forces alliées, elle va même entrer en Hollande. Elle participera enfin à la libération de Breda au prix de lourdes pertes. Enfin, la guerre est finie. C'est pas trop tôt, dites-moi. Le 8 mai 1945, la première division polonaise a perdu 5000 hommes, soit plus du tiers de ses effectifs. Elle a tué ou capturé 20 000 soldats ennemis. Les lions de Maček avaient amplement mérité leur réputation de combattants au cœur d'or. En 5 années de guerre, ils ne se sont jamais livrés au massacre, au pillage ou à tout acte de cruauté inutile. Ils étaient restés polonais. Alors, on pourrait penser que le général Maček serait rentré au pays et récompensé pour ses faits d'armes. Eh ben non! Malheureusement, pendant ce temps-là, la Pologne est passée sous la jougue soviétique à la fin de la guerre. En gros, depuis une certaine conférence de Yalta, la Pologne fait partie de l'Empire soviétique. N'oublions pas que 5 ans plus tôt, les Russes, aux côtés des Allemands, avaient envahi la Pologne. Bon bah là, si t'es polonais, t'as quand même l'impression de te l'être fait bim, hein, et puis assez profond. Se suit un climat tendu entre les Russes et les États-Unis, le début de la guerre froide. Alors le général Maček, eh ben, il sait très bien qu'il est obligé de rester en exil en Grande-Bretagne, car c'est trop dangereux pour lui de rentrer dans son pays. La Pologne va même accentuer les souffrances du général, en décidant de lui retirer tous ses titres militaires, même sa nationalité polonaise. Et là, gros problème, il se retrouve sans argent, sans thune. Outre-Manche, il ne peut même pas recevoir de pension militaire car il n'a pas servi directement les forces britanniques. Qu'est-ce que t'as foutu, Elisabeth, là? Hein? Le pauvre Maček, il pouvait même pas manger à sa faim. Bon, après, c'est vrai que, au final, tu lui as peut-être rendu service parce que la bouffe chez vous, hein, c'est pas... Oh, je déconne, Elisabeth. Prends pas la mouche. Il sera obligé de bosser en tant que barman à Édimbourg pour gagner sa vie loin de ses proches, loin de son pays. Le général Maček ne reçut son dû qu'après la chute du régime communiste en 1994. Il reçut des excuses publiques et fut décoré de la plus haute distinction polonaise, l'ordre de l'Aigle Blanc. Il décéda le 11 décembre 1994 et fut enterré, selon ses souhaits, à Breda, entouré de ses hommes tombés au combat 50 années auparavant. C'est ainsi que se termine cette histoire de parler sur la première division blindée polonaise, ainsi que sur le général Maček, un héros de la guerre, trop vite et injustement oublié. On n'oublie pas les amis, pour une vidéo de qualité, merci de vous abonner. Et sur ce, je vous dis au revoir.